Thank you.
pour ceux, c'est vraiment un événement spécial, c'est en l'honneur de quelqu'un. Et peut-être si vous êtes comme moi, tout le long de l'après-midi, quand vous entendez quelque chose, de penser à cette personne-là en même temps, de lui dire, ben, tiens, ce que moi je ressens, c'est quelque chose que j'aimerais qu'elle aussi ressente. Le plaisir que j'ai à les écouter, ben, c'est comme le plaisir. Officiellement, en pratique, c'est une pratique.
Thank you.
Exceptionnel parce qu'il arrive vraiment souvent, mais il arrive assez souvent que c'est rentré dans l'histoire.
démontre une force, un pouvoir, une espérance. Alors les fleurs, comme je disais, ce qu'on a dit, d'ailleurs, je vais te rappeler qui est oublié. Il y a une dans un peu la sortie, peut-être qu'on allait voir. C'est quand même fort tout ça. Laissez un peu d'espoir. Puis comme je vous dis, pendant que vous étiez à moi, je disais que toutes les chansons qu'on fait, toute la joie que ça peut nous procurer, c'est de l'envoyer dans le cœur, dans le cœur. Comme si elle était avec nous. Quand on ne peut pas avoir honte d'avoir du plaisir, qu'on parle de quelque chose de difficile, parce que c'est justement quelque chose que l'on a envie de lui donner à quelqu'un de souffrant. Alors, j'ai aussi Serge et la danse locale que vous soyez à venir et on va Thank you.
Nous vendons jour sans brillant, et qui se
Amen.
Serge qui est là. Serge, c'est la deuxième collaboration que je fais avec lui. Il est merveilleux. On vient de finir nos saisons. Oui, on peut encore. Amérindiens, parce qu'on était dans ce Canadien.
on prenait comme esclave un Amérindien qui était. C'était trop facile pour lui de s'enfuir parce que c'était. Il savait comment survivre, il savait comment compter sur les. Donc finalement, les esclaves amérindiens, c'était des esclaves dénaturés, qui sont complètement dénaturés par rapport à la culture et la culture. À Montréal, Marcel Trudel parle au-delà des esclaves. Les esclaves amérindiens, la moitié de vie était jusqu'à 20 ans. Les esclaves africains, c'était un petit peu plus, 22, 23 ans. Ça parle de la dureté de la vie qu'on a fait souffrir. Et ça parle aussi qu'au point de vue de l'investissement, ben, c'était mieux à cette époque-là, la mentalité ben, de le laisser mourir et d'en acheter un autre que de prendre soin. Alors, je vais juste continuer. Donc, les palettes, les sauvages qu'on a une famille, dont la nation est très éloignée de ce pays et qu'on ne peut plus avoir que par les sauvages qui les roulent. Et les trafiquent le plus souvent avec les enfants. Donc, quelquefois, on dit aux gens de ce pays des sommes considérables qu'ils en donnent par une idée de l'éducation. Alors, nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, ordonnons que tous les familles, les nègres qui ont été achetés, seront dans la Suisse, appartiendront en pleine propriété à ceux qui les ont achetés, comme ils disent. Donc, si on est en 1709, donc on parle des lois qui sont là justement pour s'assurer qu'elles avancent. Et juste une dernière, et je vais laisser la place à Yannick et ses amis. Les Anglais, la grande entreprise de tout. Qu'est-ce qui est arrivé avec les esclaves? Simplement, donc, extrait de la capitulation de Montréal, en 1760, il y a plusieurs articles, et ici on dit, donc article 47, les nègres et familles des deux sexes resteront en leur qualité d'esclaves, en la possession des Français et Canadiens à qui ils appartiennent. Il leur sera libre de les garder à leur service. Dans la colonie, ou de les vendre. Ils font aussi à continuer à les faire élever dans leur religion catholique. Donc, cette dualité-là, religion, baptisée, mort maintenant, ici, mort sur le blanc, qui parle simplement de les esclaves sont là, les esclaves sont là. Le roi de France, quelques années auparavant, avait un noir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. À l'origine, pour empêcher les aides. Donc c'était un code avec une soixantaine de, excusez-moi, d'articles qui étaient là pour essayer que les esclaves soient complètement maltraités. Mais dans, malgré tout, dans ça, il est clairement indiqué que les enfants des esclaves appartiennent aux maîtres. Et Marie, dans l'histoire de Marie-Joseph Angélique, un des aspects, c'est qu'elle avait été, selon l'interprétation, donc forcée de procréer pour procurer le mieux. Personne n'en a dit tant. Mais là, finalement, même si on peut, pour moi, ça. Je pense que ça m'a aidé à penser à Angélique, à lui envoyer quelque chose de joyeux, malgré sa souffrance. Le don j'ai
C'est pas ce que je fais de mieux, mais enfin, voilà. Alors nous allons faire comme une sorte de petit pique. Une fois, on a l'esclavage, je vais vous traduire ici. Alors, la première, c'est juste une évocation, parce qu'en fait, je suis un peu plus être les dieux, mais regardez dans quel état nous sommes dans. Alors ça va être ça. Ensuite, j'enchaînerai avec une évocation à la déesse de l'amour, puisque tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un geste d'amour. J'imagine si. Avec le temps qu'il fait, il y a tout ce monde ici, c'est que vraiment, je vous applaudis tous parce que vous avez voulu être là. Alors la déesse de l'amour et de l'eau s'appelle Erzuli, donc on va l'évoquer pour faire pleuvoir de l'amour sur nous tous. Et à la fin, on finit avec quelque chose d'un petit peu cool, c'est pas le jour de tout ça. Soleil, calme ma peur.
Tout le monde.
voyage qu'on a fait, ben, ça ne s'arrête pas parce que c'est dans le passé. C'est malheureusement quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. Mais avant que je fasse ce projet-là, je n'ai jamais entendu ça au niveau. Thank you.
Le pont